des stages, pourquoi pas, dans des écoles, pour découvrir des écoles plus facilement, que ce soit à l'intérieur, soit pas que sur le papier. C'est vrai que c'est un peu abstrait pour nous d'être voilà, sur le papier, sur des prospectus, c'est pas facile. Et en plus, c'est vrai qu'on s'engage minimum pour 2 ans après le bac, parce que BTS est la plus petite formation, donc c'est pas rien quand on a 18 ans. Je pense qu'on ne travaille pas assez sur. On fait pas assez voilà, de méthodologie de ce qu'on pourra faire en enseignement supérieur. On voit pas assez qu'est-ce qui est exactement l'enseignement supérieur. C'est vrai que l'idée de faire des stages en prépa ou en fac, même dans certaines facs, serait une bonne idée pour qu'on découvre vraiment et qu'on évite de se réorienter. Surtout que de se réorienter dans l'enseignement supérieur, enfin, les études, ça coûte de l'argent. Et on n'a pas forcément les moyens, enfin, il faut qu'on se mette à travailler au bout d'un moment, on n'a pas forcément les moyens de se réorienter dans l'enseignement supérieur.